et du pétrole. Bonsoir ton sub. Bonsoir. Ah oui, j'ai renforcé les minages de ferrage. Hein. Comment ça? J'ai laissé uniquement 3 machines à forer sur le béton. Ouais. Et j'ai mis donc le surplus sur le métal, ce qui fait que bah, on sort beaucoup de métal, quoi. Mais tant mieux, parce qu'on en broie très vite et beaucoup. Et que j'ai vu que tout objectif dans la vie nécessitait beaucoup de plaques, beaucoup de vis, beaucoup de tiges, beaucoup de trucs. Ah, le plan! I have a plan. J'ai un plan. Notre plan! J'ai un plan. Laisse-moi te faire des propositions. Même si je pense que ça va vite être trouvé. Nous avons le lingot d'alliage de fer alternatif, qui est donc le mélange de deux morceaux de fer et de deux minerais de fer et deux minerais de cuivre, hein, pour en faire 5 lingots. Tu en produis 50 par minute comme ça. Voilà. Ça nécessite une fonderie avancée. Ouais. Ok. Nous avons le silice bon marché, qui peut être d'ailleurs une solution pour nous avancer dans la technologie, puisque nous n'avons pas assez de silice pour pouvoir avancer dans la technologie. Ça nécessite 3 quartz bruts, avec 5 calcaires bruts, et ça te fabrique 7 silices dans une assembleuse, et ça t'en sort 26,25 par minute. Ouais. Et enfin, nous avons la vis moulée alternative qui nécessite 5 lingots de métal pour produire 20 vis et qui se font dans un constructeur et qui t'en produisent 50 par minute. Vous avez d'autres questions, monsieur? Je n'ai pas d'autres questions, monsieur. Pourquoi vous ne l'avez pas pris, monsieur? Enfin, c'est, ça y est, c'est fait, monsieur. J'attendais votre aval, quand même. Ah non, j'avalerai pas. YouTube a entendu. Ouais, je sais. Soyez témoins. Ok. Alors, moult plaquage, mais on n'a plus de vissasse, d'accord. Mais maintenant, on peut faire de la vis, on peut produire du vissage qui se rapporte au plumage. Pour cela, nous pouvons ralentir la production de cette chose. Tire-moi tout ça. Voilà. Et balancer un deuxième constructeur à côté. Voilà. Mais nous n'avons pas de plaque de fer. Voilà. Ouais, bon, vas-y, prends tout. Plaque de fer renforcée, voilà. Hop là. Il faut 10 caoutchoucs. 10 caoutchoucs. 10 caoutchoucs. 10 caoutchoucs de quoi? De pour? Bah en fait, en bas, il y a une navette et il faut 10 caoutchoucs pour pouvoir l'ouvrir. Ah, alors c'est un peu le futur pour nous, hein. Je sais pas ce que c'est du caoutchouc. Je vois que ton jalon est presque terminé. Ne voudrais-tu pas... Ouais, alors déjà je t'ai fait un répartiteur intelligence, sache que ça existe. Cool. Mais attends, je suis en train de faire une dingue. Hop là. Hop. Répartiteur de convoyeur. Oula, ça tient pas ça. Aussi ça peut tenir. Je l'ai vu. Aguette vue de créneau. Ça c'est du MK2, parfait. Il me faut du MK2 ici aussi. Là, sur ce truc là. C'est déjà du MK2. C'est déjà du MK2 partout, parfait. Excellent. Dans celle-ci, il nous faut donc bah, la brancher en fait. il nous faut bah, juste la brancher. Alors est-ce que ça a tout foutre par terre? Y'a rien par terre. Ça tient, ça tient. Ok, maintenant il faut un groupir. Groupeur. Ah, 2 plaques. Un groupeur. Agathe de groupeur. Tout. Mais. Débile ce que tu fais, Jack. Ça a un certain style, mais c'est débile. Ok. Ah, ça m'a tout MK2isé. C'est rigolo ça. Bon, maintenant il faut que je prenne ça. Parce que je vais faire exactement ce pourquoi tu avais rêvé de ce monde. C'est parti. Rappelle-toi, tu avais rêvé de ce monde. Atomiser le monde? Oui, mais pas celui. Oui, plus tard ça.
Pas les moyens encore. Moi, je rêve que d'une chose, hein, c'est de trouver de l'uranium et faire une centrale nucléaire, là. Oh mon dieu. Bah maintenant qu'il y a le retraitement des déchets, oui, sinon avant, non, pas tellement, crois-moi bien. Crois-moi bien avant, moins. Ah oui, je me la fais comment? Ouais, pff, j'en fous un peu. Voilà, branche-moi ça comme ça là. Voilà. Moi, ce qu'il me faut maintenant, c'est un répartiteur intelligent. Merde, je suis trop débile pour le fabriquer, c'est ça le problème. Attends, il fallait quoi pour mon répartiteur intelligent? Tac, mets-moi ça là-haut. Voilà, il me faut un contrôleur d'IA et deux rotors. Mais des rotors, on en a. Yes! Des rotors, on en a deux. Hop. Hop. Et j'ai dit contrôleur d'IA. Oui. Est-ce que je peux transformer toutes mes larves bleues en... Enfin, une masse bleue en pile. Une masse bleue en... Limace bleue en pile. Oui, oui, maintenant il n'y a que la violette que tu peux pas transformer. Enfin, qu'il faut éviter de transformer en pile. On n'a pas la recherche. Donc. Ah, et en fait, je peux pas aller plus loin dans mon délire. Dommage. Triste. Bah, sad. Sad, mon gars. On est comment en termes de prod? Oh, ça va. On va pouvoir repiler un peu là. Pourquoi le maximum de ma consommation va d'augmenter? Bah, tu viens de repiler. Parce que toi, t'es à l'arrêt. Oh, je vais me prendre une cartouche si je règle pas ça. Viens-moi une pile là. C'est bien, c'est sympa, mais je crois que ça va coincer un peu. En plus, toi, t'as une salle. Attends, mais. Wouah! Tu sais, les crashers, eh ben, ils ont des nouveaux éléments en fait. Ils ont des nouveaux éléments? Ouais, il y en a un qui vient de me bump, mais à une hauteur. Ouais. Il a des dreadlocks. En plus. Il est chaud. Ouais, chelou. Toujours. À ce que je vois, je ne peux toujours pas trouver du charbon. T'es sérieux, hein? Bah ouais, t'as pas validé le jalon. Je cherche la merde. Ah, mais attends, je crois que je peux piler les jaunes maintenant aussi. Tac, ouais. Tac, 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 tac. Oui, on peut piler les jaunes. Oui, je t'ai fait la recherche aussi. Je t'ai tout fait, hein, vraiment. Par contre, il me faut vraiment du catharium, sinon je peux pas faire mon délire, là. Je ramène 66 lingots. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais faire, monsieur? C'est acceptable. Oh, là-bas. C'est beau. Or, je fais juste un répartiteur. Ouais, non, ça va faire de la merde un répartiteur. Alors, ça va me faire de la pomme-grosse merde. Si je fais juste un répartiteur. Tor. Attends, mon coco, par contre, va falloir que tu presses un peu plus vite. Hein. Enfin, non, c'était trop long. Hein. Vous êtes pleins. Ils sont pleins, ça c'est le top. Ça c'est ce que... Ça j'aime entendre avoir des lingots de métal à l'infini. Voilà, bon peut-être pas à l'infini non plus, mais on commence à faire un peu de réserve. Au moment où on va pouvoir accélérer, ça va faire bizarre. Tu te rends compte qu'on va presque avoir... Presque avoir, oui. On va presque avoir le... Ah bah tiens, tu sais ce que j'ai trouvé? Du catharium. Du pétrole brut. Ah ouais. Parce que le désert, c'est surtout un truc à pétrole brut. Hein. Ah, je et suis dans le biome champignon. On peut pas scan cette saloperie de saleté. Je suis dans le biome champignon. Non, ça c'est pas ça. Oui, c'est ça que je cherche. Ah non, on peut pas scan du cuivre, du bon char. Pourquoi on peut pas scan du bon char?
Excusez-moi, j'ai déjà trouvé du bon char, pourquoi on peut pas scanner du bon char? Expliquez-vous. Ah, parce que c'est là-dedans qu'il faut le trouver. Ah, mais excusez-moi, excusez-moi, excusez-vous, hein. Ah, oh, merci. Je crois que c'est un peu de ça que tu voulais me parler, je crois. Oui. Oui, je comprends, ouais. Je crois que maintenant, tu peux chercher le bon char, non? Là, je suis en train d'aller le chercher. Je me redirige vers le... Donc, maintenant, oui, on peut scanner le bon char. Emplacement d'inventaire supplémentaire. L'acier. Nouveau produit à la boutique, évidemment. 2000 mètres. Mais moi, la gare routière, ça me chauffe, mais si fort. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, là... potentiellement, on va pouvoir transporter de la marchandise, là. Parce que notre fer, il est ici. Mais notre charbon, il va être ailleurs. Donc, pour produire notre acier... Va falloir déplacer quelque chose à un moment donné, potentiellement. Votre avis sur la question, déplacer beaucoup de choses. Sachez-le. Oui, non, mais je suis carrément d'accord. Par contre, le bon char... merde, en plus, j'ai pas pris de balise. J'ai des trucs, déjà. Ouais, j'ai ça. Oh, le bon char, c'est loin. Ah oui, je peux pas le mettre pour l'instant. Ouais, il me faut du catérium là. Y'a pas du catérium dans le coin là, cette fer. Genre en loose. Y'a pas du catérium en loose dans le coin. Ouais, c'est pas à côté hein. Ouais, 800 mètres ça se fait hein. C'est pas là où t'as posé toi tes minaces là? Tyrite? J'en sais rien. Oh putain! Allez, mais c'est une grotte ça! Oh, j'entends gratter des saloperies de saleté là-dedans. Oh, il y a de la saloperie hein. Puisqu'il y a le. Il y a le sloop. Harvest. Ouais. Je vois une petite merdouille. Qui veut me rush, mais elle est bugged. Ah bon, bah elle est moins bugged. C'est un peu bugged quand même, hein. Oh le coup de la pique. Je mets un coup de poing. Ah, je vois que d'un. Mais non, ça c'est chiant ça. Mais non. Ah, ces fameux trouillous où t'étais coincé! Ah, t'es tombé dedans? Oui! Oh non! Je suis dans le trouillax! Alors, attends, comment je sors de là? Si seulement j'avais un décathlon, hein, je serais déjà sorti de là. Hein. Y a un petit cran là. Est-ce que j'ai de quoi faire une dalle de bétoum? Ah, ou un pylône? Ça est trop incliné, le joueur bloque le truc. Ça est trop incliné. Ah, j'ai plus... Merde, flûte. Enfin, vous m'avez compris. Ouais. Ok. Bref, insuffisant, hein. Il faut autre chose là. Il faut m'en donner un peu plus, bro. Ah, on peut faire quelque chose? On peut faire quelque chose? Ok. On a un truc. Ok, ok. Ok. Bon. Sale bête, techniquement il doit en rester 2 ou 3 là-dedans. J'ai plutôt 2. Non? Il y a un manque de merdou?
Ah ouais, mais toi après t'en avais peut-être déjà pété. T'en avais peut-être déjà pété deux, non? Les chances que je pète des trucs, hein. Les araignées là. Ah ouais, il y en avait même une grosse. Dans la caverne. Il y avait une grosse? Ouais. Tu l'as pété aussi, hein. Rassure-moi, dis-moi que tu l'as pété parce que sinon, qu'elle est pas là, elle est en train de courir après le monde, hein. Ouais, non, je l'ai pété. Elle était bouillée. Ok. J'ai trouvé un truc. Apparemment. Sinon, en train de cavaler après toi, mon gars, depuis 20 sauvegardes. J'ai trouvé un truc sur le MAM. Oui. C'est un arbre, apparemment. Un arbre? Ouais. Doit être l'arbre à caoutchouc. Sur le MAM? Oh, non, non, mais en explorant, j'ai trouvé un arbre, un truc sur un arbre. Un arbre. Ah, donc on va pouvoir faire autre chose que du caoutchouc de pétrole? Oh. Oh, le jeu qui voudrait presque se donner une teinte bio-écolo. Presque, hein. Oui, mais presque. C'est chiant, ça. Voilà, ce petit souterrain là. Ah, je peux. Voilà. Tailler ça. Ah, ça donne du wabbit. Trop bien. Oh, vas-y, y a pas d'autre fougère là. Oh là, si, si, vas-y, la fougère. C'était la fougère. Il y a autre, fait péter la Bretagne, quoi. Fougère, c'est en la Bretagne. La quoi? La Bretagne, parce que la Fougère, c'est une ville en Bretagne. Enfin, une ville. Enfin, pour la Bretagne, c'est une méga cité. Genre, t'imagines une cité où les gens ils vivent empilés les uns sur les autres. Genre, un habitant tous les 50 mètres carrés, quoi. Genre, ils sont les uns sur les autres, quoi. Ok, c'est bon, je suis sorti de ce trouillou. Et on va pouvoir ouvrir un nouvel arbre technologique. Évidemment. Puisque j'ai des fongiques. Soufre, non, on s'en fout. Caterium, mycélium. Fais de la recherche sur le mycélium. Recherche terminée. En fait, le MAM, c'est un truc qui se fout de ta gueule quand même. Une recherche pour faire 3 secondes. Oui, je vous confirme qu'il s'agit bien de... C'est bien un champignon. Merci ma gueule. Sympa. C'était vraiment genre... si tu me l'avais pas dit, je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Vraiment. Et là il faut un rotor. Oh! Il faut un rotor. Je crois que ça se fait ça, en plus. J'ai un rotor sur moi si jamais t'as besoin, mais je crois que t'es à l'aventure, c'est ça? Bah je suis pas loin, je suis vraiment pas loin. Si tu veux, j'ai plein de rotors sur moi. Bah écoute, je pose juste une balise. Merde, la map c'est... M. Ah. Je suis en train de me dire là. Je suis en train de craqueniser des trucs dans ma tête, hein. C'est pas bien, c'est pas bien du tout. En fait, je suis tout bêtement en train de me dire qu'actuellement, dans l'état actuel de la conjoncture, je pourrais tout à fait ajouter une autre assembleuse. En termes d'énergie, j'ai ce qu'il faut. Ça tient. Et cette assembleuse, en fait, je pourrais faire et venir des vis dedans. Il me faudrait juste un troisième constructeur pour sortir des... Tu vas pas m'aider, mais des... Franchement, on va en sortir. Des tijasses. Des tiges. Et là, on peut produire du rotor, protor, mégastator et de la plaque. Oh. Juste avec un constructeur supplémentaire et donc forcément une assembleuse. Et on peut sortir les deux. Y'a un projet ou pas? Y'a un projet. C'est bon, j'ai récupéré un rotor. T'as trouvé ça? Ah putain, y'a besoin de 10 watts. T'as trouvé ça ou t'as construit ça? J'ai construit ça. 10 watts. 10 watts. C'est la watt. L'assembleuse, il me faut plus de câbles.
il me faut plus de câbles. Merde. Il me faut du cuivre. Et il me manque du fer. Est-ce que j'aurais pas du fer pas loin? Ah, quand t'es passé à la base, t'as pas déposé vite fait du caterium? Je suis pas encore passé à la base. Mais il va falloir que je vienne parce que au final je peux pas faire ce que je voulais faire. Surtout qu'il me faut du caterium quoi. Si tu veux bien y relever tes 200 de caterium, ça m'arrange bien. Je suis complètement à l'opposé et je sais même pas comment remonter pour revenir à la base. Je suis le logo base. Ou alors tu fais comme tu aimes bien le faire depuis le début et dont YouTube est très fan. Mourir. Il fait ça très bien. Ça se remplit, hein. Ouais, ça se remplit, paradoxalement, ça se vide, hein. Étonnamment. Étonnamment. Vraiment du soufre. Dommage, je pensais que c'était terrible. Eh bien, honte à moi, je n'ai... Non, la petite mineuse, quand tu m'as dit, ouais, il faut en 2 minutes, rien du tout, elle vide le gisement, mais si vite. Genre, j'ai à peine le temps de vider l'ensemble des petits trucs de mine, que le premier sur lequel je veille, il y en a déjà 15 dessus. Ça vide... Mal. Ah oui, ça arrache le stock. Genre là, regarde, je viens de poser le minerai, j'y retourne, je vais regarder le premier, là, où est-ce qu'il en est. Il est déjà à 45. Eh ben... désolé, hein. Il en sort. Ils en minent 80 par minute. C'est pas toi qui me disais sur la première game que l'on ait fait tous les deux, donc qui était la mienne, ma game test, hein, que c'était pourrir des ressources pour rien, les petites foreuses. Bah oui, si tu veux tout de suite industrie, enfin si t'es bien placé, t'en as rien à foutre en fait. Mais genre même nous là, en vrai, on fait du zèle. Parce qu'en vrai, on est en mode écolo. Mais je rappelle que sur moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 piles pleines de carburant solide. Et il y en a un petit peu que j'ai posé. Je crois que c'est lui que j'alimente avec du carburant solide. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à utiliser un peu de mon carburant solide. Sinon, j'en ai trop. On peut jouer à un jeu. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on peut jouer à un jeu dans le jeu. Enfin, le jeu, il fait du jeuception. Incroyable. Boum, 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 boum. Parce qu'il me faut aussi du câblage. C'est déloyal du 4 contre 1, quand même. De quoi? Ils sont 4 contre 1. Qui sont 4 contre 1? Les cochons. Ah, mais eux, ils sont sur 4 pattes aussi. Hein. Outre la loutre. Merde, t'es déjà mort, toi. La poutrelle de métal est plus forte que ta tête à toi. En même temps, ça se comprend. Bon. J'ai trouvé 3 stacks de charbon, mais c'est du normal. On reste là-dessus? Bah, c'est déjà bien, hein. Non, mais on prend tout, hein, de toute façon. Y'a pas à discuter, hein. Je mets une balise dans ce cas-là. Alors, je t'explique, hein, vraiment, moi, mon délire, c'est d'essayer de fonctionner le plus possible au charbon. Voilà. Moi je ne fonctionne que au charbon à l'heure actuelle. Voilà, parce que le nucléaire, je sais pas comment ça se gère. En termes de déchets, Je sais pas s'il y a du retraitement ou pas, ou si c'est de l'énergie qui est finie. Et si c'est le cas, bah ça m'intéresse pas l'énergie finie moi en fait. Le charbon dans le jeu c'est infini. Attends, ouais, du carburant fini. C'est bon. Oui, ça. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de flotte à côté. La science avance, évidemment. Ah, j'ai rien dit, il y a de la flotte à côté. Du tissu. Okay, quand on aura fabriqué des nobelisques, on pourra faire ça. Ok. C'est quoi? C'est tissu en polyester synthétique. Oh, c'est nouveau, ça. Quoi? Oh non, mais vous déconnez, les gars. Franchement, vous êtes chiants, quoi. Oh, c'est relou. Non, mais c'est pas possible. Ouais, il va falloir qu'on fabrique des rotors. Ceinture élargie sans rotor. Avec quelques champignons, s'il vous plaît. Culé. Culé, va. Au secours. Vas-y, on peut biocarburant solide tout le reste. On va gagner de la place.
Et puis on va faire du câble. On va faire du câble. Ça me paraît. Ah attends, même sous l'eau, le poison il m'atteint. C'est dégueulasse. C'est con, je me suis dit tiens, le poison c'est volatile, je vais aller sous la flotte pour l'éviter. Eh bah non. Ça, alors, le poison ça fonctionne en système de flemme. C'est-à-dire que ça traverse tout, même le dessous de la map, tout. Y a pas de problème. Qu'est-ce que je cherche? Non, c'est pas ça, c'est par là. Il me faudrait un constructeur supplémentaire, une assembleuse supplémentaire. Une fonderie supplémentaire? Non. Je pense pas, c'est de la branlette là. Est-ce que je peux poser mon assembleuse, je crois? Ouais. Moi, j'ai ce qu'il faut pour la poser, donc je vais la poser. On va poser, je sais pas moi, par là, tiens, très joli. Magnifique. Moi, ce qui m'éclate quand même, c'est qu'on peut sauter dans l'eau. Ah, tu sautes qui tu veux. Non, on peut sauter dans l'eau. Ouais, c'est bien ce que je dis, hein. Ah. Couper cette machine. Voilà. Transport motorisé. Il faut 100 rotors. Ah. Ah, je peux pas. Ne construis pas les cadres modulaires, j'en ramène 44, je crois. Parfait. J'étais pas du tout dessus d'ailleurs. Ça peut te rassurer, j'y étais pas du tout. Non mais lâchez-moi, con de libellule. Ça m'étonne qu'il n'y ait rien d'autre autour. J'ai juste récupéré 400 vis. Et en parlant de récupérer 400 vis. Est-ce que je peux aller chercher de la vis pour alimenter un peu mon bordel? Oui. Puis des plaques aussi. Bon, on va tout prendre. Vas-y, je prends tout. Très bien, j'ai tout pris. Je voudrais voir si les machines arrivent à tourner ensemble. Je te lâche un petit paquet de vis ici, mon pote, ça me fait plaisir. Tiens, prends le reste. De place. Range-moi ça là temporairement, ça m'arrange. Voilà. Et les plaques de fer, ici. Ah. Ok. Enfin, je dis ça m'arrange, non, parce que visiblement j'ai besoin de rotor. Ah oui, pour le constructeur. Excuse-moi, je le reprends. Ça a pas fait crash le système électrique. Ah ouais, par contre, on va pas ajouter une seule pile, hein, à rien du tout. Voilà. Ou alors, éventuellement, au système de production d'énergie, mais ça me paraît très très bien. Hein. On va pas faire de zèle. Hein. On garde tout comme ça. L'autre, il me descend les minerais à une vitesse. Les minerais, ça bourre à quelle vitesse là? Ah, ça bourre. Ah oui, ça bourre. Certains disent même ça laboure. Donc là, moi, ce qui commençait à m'intéresser, c'était de me dire, on fait des tijasses. Le truc, c'est que j'avais pas prévu dans ma structure de faire de la tijasse. Déjà, j'ai pas de tige, j'ai pas de plaque. Trouver du quartz pur. Trouver du quartz pur. Félicitations. Merci. Mais ça vient avec des problèmes. Ok. Pour l'instant, je vais récupérer mes tiges. J'en produis pas, ça peut attendre. Moi, ce qu'il me faut, c'est le constructeur. Tor. Ouais, ça fait vraiment des trucs comme ça dégueulasses. Mais j'ai pas les câbles qu'il faut. Franchement, exiger du cuivre, l'utilisation de cuivre, hein, c'est vraiment scandale. Bon, allez, on va tout presser, hein. Non, en fait, on va pas tout presser, c'est long, c'est chiant. Allez. Faites-moi quelques câbles. On repassera pour la suite un peu plus tard. Quoi, c'est tout? Ouais, c'est vraiment quelques câbles. Hein. Pouf, constructeur. Tor. Oui, c'est ça. Celui-là que je veux. Parfait. Dans la faune, la flore et tout ce qui va bien. Parfait. Maintenant, il me faut un tapis qui
part en cacahuète. Comme ça. C'est l'histoire d'un tapis. Quoi? C'est un tapis qui sort, ça. C'est pas un tapis qui rentre. Oui, c'est ça. Oui, mais de la merde. C'est marrant, ça. Ah oui, mais c'est pas celui-là que je cherche. C'est celui-là que je cherche. Ah oui, oui. C'est bon. Hop. Hop là. Des trucs stylés. Oh, une plaque. Si j'ai le démon en moi. Cool. C'est cool. J'ai les cochons. Bah j'ai pu j'ai pu passer qu'on puisse faire des élevages de cochons. Non. Non 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 non. Bah si. Ça, t'as des sources de bouffe tout le temps. Alors avoir un compagnon cochon alpha qui se frite pour toi. Oh, c'est trop bien. Genre le porc, c'est ton meilleur ami direct. Oh, putain, j'ai le meilleur bug du monde. Quoi? Le meilleur bug du monde? Ouais, j'ai une limace qui vole. Est-ce que tu as pesé le poids de tes mots? Est-ce que tu vas fâcher Todd Howard là hein? Comment ça, t'as le meilleur bug du monde et c'est pas un Elder Scroll? Comment ça se fait? Ah ouais. Quelle est donc cette aberration? Quoi, t'es full branched? Eh non. Panique pas, je te l'envoie, je t'envoie le screen. Et donc ça, ça fait des tigeasses. Bah voilà. Et maintenant, et par contre là, il faut que je le regroupe sur l'autre. Mais j'ai des solutions. J'ai les astuces et solutions. Puisque c'est du regroupage. Et bah voilà. Suffisait d'y penser. Et quand ben voilà. Quand tu te dis que j'ai exterminé toute la flore et la faune que j'ai croisée, mais qu'il y en a encore qui viennent de me faire chier. Ouais, ça je crois. Hop. Un petit peu en hauteur, comme ça je veux passer tout ton temps. Oh, ça fait un joli Kraken hein, quand même. Hein. Si, si, si. Hein. Moi, on raconte ce qu'on veut, c'est joli comme Kraken. Il me faut vraiment du Catarium, sinon je peux vraiment pas faire mes usines. Mais vraiment, en fait. Là, en fait, tout pourrait fonctionner, il me manque juste du Catarium. Je peux pas faire mon contrôleur d'IA, donc rien ne peut marcher. Je vais partir à l'aventure pour trouver du Catarium, en espérant ne pas périr. Ou est-ce que tu reviens avec? Est-ce que tu es loin? 15 mètres. Ah ouais, donc bon bah je vais partir à l'aventure, du coup. Mm-hmm. Je te vois sauter. Il ment, puisque je ne sautais pas là. Ah ouais, la base elle a un peu changé depuis que je suis parti. T'as vu ce petit Kraken? As-tu vu ce petit Kraken? Oh, ça fait mal. Il est beau, hein. Oh là 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 là. Il est beau. Il est beau, mon Kraken, ou pas? Ah, il est très très beau, ton Kraken. Non, mais les choses, elles dépopent dans le... Oh, je mets des trucs, c'est bizarre, ça disparaît tout de suite. Ah non, mais c'est bon, toutes les limaces, tu peux transformer, jaune, bleu, tu peux transformer. J'ai fait les recherches qui nécessitaient de les conserver. Voilà. J'ai plus de place dans mon inventaire. Oh mon dieu. Damn god shit again. Là, ça fait quoi? Bah tiens, parfait, j'en rajoute 15. Ah, une limace! Tiens, c'est plus rapide à ramasser d'un coup. Bah, pourquoi tu l'as ramassé? Bah, je sais pas, tu voulais que je fasse une. Mais donne-la-moi! Je fais des piles! Ah, bah d'accord, très bien, parfait. Du coup, j'étais en train de condenser en piles parce que j'ai plus de place dans mon inventaire. Donc, je me suis dit, bon, on va gagner du temps, je vais faire des piles. Des piles, on a quelques-unes, hein. C'est bon, tu peux les ranger. Hein. C'est juste. En train de condenser, virer les trucs qu'il y a, que t'as posé en fait. Pour faire de la place. 17, En fait, attends, je suis trop con moi, si je veux gagner de la place, y'a pas 50 solutions, faire du béton, virer 3 stacks pour en faire un.
Voilà. Enfin, d'ailleurs, pour en faire 0, puisque j'en ai déjà un stack de béton. Donc, on passera de 3 à 0. Parfait. T'as récupéré tout le minerai de Caterium, déjà? Ouais, ouais, c'est sur moi. J'en ouais, il y en a encore 15 dans le coffre. De quoi? Il y en a encore 15 dans le coffre. Parfait. Donc, il y en a même un en rap sur moi, d'ailleurs. Tiens, tu sais quoi, je vais le poser sur le petit 15, là. Je vais prendre le petit 15, là. Voilà. Bref, laisse-moi gagner de la place dans mon inventaire. Mais on produit masse vis, en fait. Bah c'est oui, on est en train de produire masse vis, ouais. Oh oui, putain. On va devenir fou. Ah non mais Knarfang, t'as pas fini ton truc en fait. C'est ça qui est drôle. Pourquoi? Oui, je sais que j'ai pas fini. Et entre deux, t'es arrivé avec ton machin et je suis allé relever du béton. Donc me fais pas chier. Comment ça j'ai... Où est-ce que tu dis que j'ai pas terminé? Vas-y, explique-moi. Vas-y. Raconte-moi des choses là. Raconte-moi tes merdes. Vas-y. Là. Voilà. Là. Il y a un trou. Ouais, voilà. D'accord. Et pourquoi il y a un trou ici? T'as ta lampe d'allumer. Oui, je sais parce que j'étais dans la caverne. Et pourquoi il y a un trou ici? Capable de nous expliquer? T'as 12 heures? Parce que tu veux mettre un répartiteur intelligent pour envoyer des vis ici, envoyer des vis ici et envoyer des tuyaux ici. Sympa. Exactement, mon grand. Donc c'est bien ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. C'est toi que j'attends. Sans toi, je peux pas bosser. Mm-hmm. Está claro? Si. Oh là, j'ai plus de plaque. C'est bête la vie, hein. C'est con, hein, quand même, des fois. Quoi, la vie, hein? Pour être intéressant. En fait, oh, cet immense kraken! Oh là 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 là! Oui, il est beau! Il est beau, bah, je l'ai fait un peu propre. Mais pas trop quand même. Parce que, oui. T'avais commencé à faire du béton, mais où? Exactement. Plus haut. C'est la réponse à ta question. Alors, à partir de là, il faut absolument que je kraken. Il faut que je. Pas kraken, il faut que je fasse des choses. Vraiment, juste un peu plus haut. Tu montes dans la vallée de Nana. Tu vois où était la navette? Chelou là? Ouf, ouais. Bah, c'était plus à gauche. Enfin, celle que moi j'ai gérée là. C'est plus à gauche. Tu vois, je veux dire ou pas? Ouais. Oh, bah, j'ai trouvé du charbon qui est à 700 mètres seulement de la base. Formidable. Passion, c'est ce qu'on a envie de dire. Bah, c'est à côté. Complètement. 700 mètres, c'est quoi? Avec un peu de chance. Qu'est-ce que c'est finalement 700 mètres dans une vie? Par contre, je vais te piquer des plaques de métal. Ah, pour l'instant, c'est pas possible. Si, ça, alors, possible. À gauche, il faut que je fasse sortir. En bas, là, c'est de la plaque. Donc, c'est plaque de fer. Plaque de fer. Au centre, il faut que j'emmène le truc qui est en haut. C'est donc de la tige de fer. Et à droite, c'est le reste, c'est de la vis. T'as des plaques de fer qui sont sur le tapis. Oui. D'accord. Ça là. Ça. Ah, ça passe pas là. Excusez-moi. J'ai mis quoi au milieu? Ah oui, au milieu c'est parce que j'ai mis tige justement. Quel génie. Le mec pense à tout. Incroyable. Oh, ce kraken comme il est si beau. Regarde-moi ça. Oh, c'est beau. Est-ce que t'as du béton sur toi? Ouais, vite fait un peu, pourquoi? Tu peux m'enfiler un peu? Ouais, tu veux me couper mon béton? Salaud. Salaud. Attends, j'ai pas fini. J'ai presque fini. Après je te file du béton parce que j'en ai besoin pour faire bah, mes plots, mes tiges, mes machins. Oh là là, le kraken. Alors, oui, mais attends, faut que je fasse rentrer de la vis. Donc ça, ici. Et la vis, ça sortait là. Donc là, il me faut bien évidemment un répartiteur de convoyeurs. Ce qui veut dire qu'on va rajouter une voie ferrée. Excellent. Ce kraken est si puissant. Pourquoi je peux pas le construire? J'ai plus de plaque de fer renforcée, merde. Ce kraken sera total. Il sera cosmique. Bon, alors là, je pourrais. Par contre, si tu dégages pas, en fait, je peux pas construire. Je voulais voir s'il allait me capter. Bien sûr. Il est pas fou là. Il est pas fou la bête. Hop là. Oh là là. Là, ça kraken ou ça kraken?
Ça passe comment là? T'es sérieux? Ça passe! J'ai hésité à faire tout le tour du truc, mais je me suis dit j'ai pas assez de plaques. Tiens, du béton. Ah, merci. Ouais. Gentil. Merci. C'est Je vais pour faire pouvoir enfin quoi? explorer correctement. Pour me faire des plateformes pour pouvoir bouger correctement. Alors, si tu veux te faire des plateformes pour bouger correctement, il te faut des plaques de fer aussi. C'est bon, déjà récupéré. Ah, c'est bon, t'en as pris 2000, c'est bon, tout va bien. Ah non, j'en ai pris okay. Une stack de Donc, 100. Moi je pose ça. On est pas mal. On est pas mal, on a pu faire tout ça. La science avance, j'ai envie de dire. Hein. La recherche progresse, on va se finir vite fait un peu de béton, c'est toujours bien d'en avoir sur soi. Je vais aller relever le quaternaire. Ce qui est mieux, c'est de faire de la place dans son inventaire. Je vais aller relever le quaternaire. Quaternaire, excellent. Excellent. Tu aurais été intelligent si je l'avais été. De quoi? Si j'avais été intelligent, tu sais ce que j'aurais fait? J'aurais pris le temps de faire des tapis jusqu'au quaternaire. Des mini foreuses. Ah oui, pour les emporter avec toi. C'est ça, ouais. Mmh. J'ai été stupide. Ouais, mais t'as pas fait ça. Non, je l'ai pas fait. Donc ça va. Finalement, ça va. Donc ça, c'est dans mes poches. On ne met dans ce coffre que les choses extrêmement importantes, évidemment. Pouf. J'ai même envie de dire fias. Ah non, l'humour. Ah bon? C'est moi, j'adore. Attends, viens-moi ça déjà. Faudra que tu fasses gaffe à tes générateurs. Générateur, il y avait plus beaucoup de fleurs. Ouais, tant mieux. Il va falloir que je commence à dégager du biocarburant solide de mes poches là. J'en ai trop. Faut voilà. Vider, là, faut que je vide. Et vu que je déteste jeter, on garde jusqu'à que je puisse vider en fait. C'est terrible. Ah, intéressant. Intéressant. Excusez-moi. Je viens d'être frappé de stupéfaction face à une réflexion que je viens d'avoir. Une réflexion que j'avais déjà eue et qu'il va falloir que je reformule. Enfin, que je reparte dessus. Tu as vu le terrain de béton qui est tout en haut ou pas? Du tout. D'accord. Je suis déjà parti. Eh ben... En fait, quand t'es à hauteur de notre base, derrière, au-dessus du fer, tu vois normalement l'espèce de pont de pierre avec les trucs toxiques dessus, là. Normalement, tu te rappelles les grosses bites qui déversent du poison, là. Et qui font un espèce de pont cassé vers les montagnes du désert. Tu te rappelles de ça ou pas? Teuf, ouais. Ouais, non, ok, tu t'en rappelles pas. Non. Et bien en fait, à côté de ce truc de pierre, c'est relativement plat, donc c'est là que j'ai construit. Et si jamais tu as peur de pas trouver, bah tu cherches du calcaire, puisque c'est très exactement là où il y a du calcaire. Du calcaire au nord, enfin au nord, je sais pas si c'est le nord d'ailleurs. Ça a l'air d'être plutôt le sud même, ça a l'air d'être plutôt l'inverse, attends, regarde. Par rapport au... C'est quoi, je vais même te dire par rapport à la base de ce que ça se trouve exactement. Eh ben j'ai trouvé deux filons de... charbon, un pur et un normal. Il est au sud, il est là. C'est au sud. Alors genre vraiment c'est au sud de notre base hein. Au sud sud hein, je peux pas faire plus. Ah et c'est pas du côté du fer, je dis de la merde. C'est par dessus le parapet de là où il y a la grotte aux araignées là. Voilà. Là il me faut 50 watts. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Wow. Pourquoi j'ai pas de tige de fer qui arrive là-dedans? Oh là 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 là, tu es en train de me dire le jeu là que t'es en train de me mettre le démon absolu? T'abuses le jeu hein? Ou c'est moi qui ai merdé qui ai oublié de te brancher? Non, t'es branché. Ah, c'est que tu presses pas de tige assez vite. Donc là tu m'as dit que c'était bientôt la fin, mais malheureusement c'était pas encore la fin alors que j'aimerais bien. J'aimerais bien où je garde du charbon ouais, pour la recherche ultérieure. Du charbon, je peux t'en ramener si tu veux. Je peux en miner non, un non, peu. Non, bah après, si t'en ramènes, je veux dire sur des gros stacks, oui. Sinon, non. Non, tu vois ce que je veux dire, pas nécessairement. Le charbon en question, c'est juste le garde pour les recherches quand elles vont tomber. Voilà, histoire d'avoir un peu de charbon sous le coude. Terminé.
Ok, donc j'ai poussé la capacité max de notre dépôt à fonctionner. Ce qui veut dire que je vais pousser ta capacité de fonctionnement. Ma capacité de fonctionnement ? Je vais pousser les tiges à fond. Est-ce que ça tombe ou est-ce que ça tient ? Sachant que je crois que j'ai une machine qui tourne pas. Parce que si l'assembleuse là-bas tourne. Ah, ok, avec tout qui tourne, ça tient. Tout qui tourne là, ça tient. C'est pas mal, c'est pas mal. On se débrouille, hein. On fait des trucs. Hein. Ce que j'ai peur, c'est que de toute façon, si ces usines tournent 24 sur 24, c'est les vis qui ne suivront plus. J'en ai bien peur. Plaque, plaque, plaque. Tac, tac. Toi, de toute façon, tu vaux. Ah non, il vaut plus rien. Au secours, vite. Consommation de. Attends. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un nouveau Kraken dans mon Kraken? Je crois que je tiens la réponse, Shinai. Shinai. Oh, ça y est, il a abandonné la game. Oh merde. Allô, au secours. Ah. Je te vois construire des trucs, je te vois construire un tas de trucs là. Ah c'est bon, tu m'entends là? Allô? Ouais, mais je te voyais. Je vais Kraken encore plus fort. Nous allons passer un stade d'évolution de Krakenisation des lois du marché. Ah mince, j'ai besoin de toi. Est-ce que t'as de la place dans ton inventaire? Mais t'as ramené un porc ici. Shinai, y'a rien de nous ramener tes copains à la maison. Il voulait boire un coup. Shinai, j'ai besoin de toi, vite. Il faut que tu te fasses de la place dans tes poches. Faut que tu me mettes du fer dans un stockage là. Et que. Ah, j'ai plus que ça. Au secours. Est-ce que j'ai de la plaque de fer de base? J'ai de la plaque de fer de base. Tant pis, on va faire ça avec de la plaque de fer de base. Il manque une plaque de fer de base. C'est le bordel. C'est lequel le stockage de départ? C'est celui qui est au bout de ce tapis. C'est lui là-haut. What? C'est lui là. Je compte sur toi, Shinai. Tu es solide, Snake. Moi, il faut impérativement que je fasse de la place. Et donc, il faut. Toi, tu veux pas un petit peu de. Hein? Un petit peu de. Genre, vas-y, prends ça. Voilà, voilà, ça m'arrange. Vous voulez pas me vider un paquet là? Videz-moi un paquet là, s'il vous plaît. Non, dommage. Faut que je transforme mon biocarburant en solide. Hein. Faut que je libère de la place. J'ai pas de place, il faut que je libère de la place. L'idée là, c'est de libérer, délivrer donc cet espace, puisque je vais poser une vraie foreuse. Voilà. Je sais que tu n'étais pas prêt psychologiquement, mais je vais poser une vraie foreuse. Donc les trucs que t'as en rab, les petits pactolages là que t'as en rab, les petites mines que t'as, soit tu vas les poser sur le Caterium, soit tu fais une distribution sur le Calcarium. Ce que tu veux, quoi. Attends, et ce qui serait bien, c'est que t'ailles visiter la base qui est justement au sud. Parce que j'ai une vraie question à te poser. M'a demandé de... Alors, de quoi? M'a demandé de tout récupérer. Oui. Et bah d'aller les reposer où tu veux, Caterium... Si tu veux les partager, si tu veux en refaire des doublons, des triplettes. Pareil, je sais pas si t'as trouvé un gisement de quartz jusqu'ici ou pas. Oui, j'en ai trouvé un. Hein. Voilà. Il est diablement loin. Ah ouais. Heureusement, on va pouvoir faire des camions. Est-ce que tu ne veux pas, par hasard, au moins un exemplaire de foreuse? Au moins quoi? Au moins un exemplaire de foreuse. Non, c'est bon, parce qu'on produit tous les matériaux qu'il y a ici pour fabriquer des foreuses, donc... Ah, tu veux dire pour faire la M15 ou pour faire les petites? Ouais, pour faire la M15. Ah bah, tu peux même en poser une, hein, j'ai envie de te dire si t'as ce qu'il faut. Ouais, je peux. Ouais, j'ai envie de te dire let's go. Je suis en train de regarder, techniquement, t'as tout sur toi. Tout ce qu'il te faut. Techniquement. Techniquement. Production. Foreuse M15. J'ai... Hop. Voilà. Ça reste mon inventaire, hein. Faut tellement que je compile. Attends, je vais compiler mes fils. J'essaie de montrer des choses intéressantes à ton tube avant qu'il s'ouvre les veines. Voilà. Donc tu me disais au sud? Ouais, elle est au sud. Tu l'as posée la foreuse? Oui. Excellent.
Cochon! Et putain, mais il a jamais fini lui avec ses porcs. Hein. Il y en a trop sur la map. Oh là là, il l'a mal posé, quelle déception perpétuelle. Ah, moi j'ai juste dit je la posais, j'ai jamais dit que oh, je il la a même pas réfléchi, il a même pas essayé de brancher un demi-neurone quoi, le salaud. Comment il est YouTube? T'as vu ce que je supporte? Moi qui propose des bases extrêmement raffinées. D'un design incomparable. Incomparable. Donc, tu m'as dit la base elle est au sud, mais je me dirige au sud, je ne la vois pas. Si, t'es pas loin là. Là normalement tu fais détection du calcaire. Boum, tu détectes un calcaire, c'est le calcaire qui est bah, depuis la base à 120 mètres normalement. C'est pas compliqué, c'est juste une grosse dalle de béton hein, la base. Elle est en bordure de trucs. Hein. Tu vas trop loin là. Tu te barres à droite là, je crois que c'est plus à gauche mec. Ah bon? Tu veux... Eh, arrête-toi, fais détecte le calcaire. C'est le calcaire. Ouais, bah là c'est pas le bon endroit là, c'est à ta gauche normalement. Gauche de... Attends, je vais te regarder sur la map. Oh merde, je prends la limace. Attends, je suis censé avoir une carte là. Ah, tu prends une limace? Okay. Ok, donc débrouille-toi. Attends, le mec il arrive même pas à trouver un gisement de calcaire alors qu'il est quasiment plein sud. Dirais le sud. Bref. Alors, plein sud, hein, tu m'as dit. Bah, plein sud, il y a un gisement qui est quasiment sur le marqueur sud depuis la base. Depuis la base. Depuis la base. On me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Mmh. 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 Ah oui. Ah oui, il faudrait que je pose mon poteau, genre... ouais. Parfait. Oh, pff, oh, il est turgescent. On va devoir faire ça. Il est si parfait, mon poteau. Il est si parfait. Alors, ta dalle de métal, je la vois pas. Hein. Je la vois pas du tout, je suis au sud, je la mais vois pas. Sérieux? Ouais. Oui, en plus, t'es au gisement, là. Comment ça, tu la vois pas? Ah. Ah, merde. Ça a grillé. Ça grille. Ça grille, ça grille. Pourquoi? Attends, ah, bah parce que la foreuse. Eh oui, parce que la foreuse. Donc, bah, on va devoir se calmer sur la tigeasse. Hein. Je vais retirer deux piles. Des sur la tigeasse, ouais, la fabrication de tiges. Je vais couper une assembleuse. Ouais, on va d'abord couper une assembleuse, on va voir si ça redémarre gentiment. Boum. Ah. Ça tient toujours pas. Ça a fait un pic à combien? Ah, il veut pas me le dire. C'est emmerdant ça. Alors, ça veut dire qu'il va falloir ralentir toute la prod ou mettre... Oh! Ou mettre un générateur supplémentaire, c'est-à-dire créer de l'espace dans mon inventaire. Mmh, j'aime cette idée. Brûleur de biomasse. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour construire un brûleur de biomasse. Putain. Votre vie, c'est de la merde. C'est bon, j'ai compris. Votre vie, elle est vraiment pourrie. Oui, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Bon. Merde. Mmh. En plus, il me faut juste des plaquages et des tigeasses. Ok. Normalement. Des plaquages. Plaquage, 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 plaquage. Plaquage. Plaquage, plaquage. Plaquage. J'en ai combien? 15, il en faut 15. Et de la tigeasse. Tigeasse. Donc il en faut 15 aussi, je vais en prendre 15. Voilà. Ah, par contre c'est 25. Allez, je vais me le mettre là, parce qu'à chaque fois j'oublie des trucs. C'est bien, ça laisse le temps de les machines à se charger, le petit tapis à dérouler. C'est très bien, finalement, c'est un petit crash. Ce qui est marrant, c'est que les tapis tournent sans électricité. Oui. Ah oui, non, mais c'est les tapis, c'est la vie. Hein. Ça coûte rien, surtout aussi. C'est-à-dire que t'as pas besoin de les brancher jamais. Oh, ça contact hostile. Ah putain. Encore des porcs! Bordel. Yo. Arrêtez tes cochonneries, oui. Je vais mettre ça là. Ah non, mais attends, pour faire un bon kraken, il faut que je le mette au milieu. Genre par là, là. Oh ouais, à côté de ça, là. C'est là, il y a de la place, là. C'est un scandale, il y a de la place, quoi. C'est honteux. Bon, il n'y a pas énormément de place, mais il y a de la place, donc... Parfait.
Hors connexion. En ligne. Excellent. Le pouvoir. Le pouvoir. Et là, tout tourne. J'ai toutes les bécanes qui tournent en même temps. Je suis à combien là? On est ici. On va maxi pilasse, hein. On va pilasser à fond. Voilà. Ma capacité max, ok. Excellent. Donc on peut se remettre à faire des tiges comme un sourd. Ok, donc là nous on produit vite. Ah ouais, non mais en fait il faut que je change de taille de tapis en fait, c'est impératif. Ça c'est terrible quand, quand c'est les tapis qui vont pas assez vite. Ça a l'air de fonctionner. Ok, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. On charge, on charge. La mine, elle, normalement, elle va pouvoir subvenir toute seule. Hop. La prod. Elle en sort 120, 120 par minute. Ah bon, oui, tu peux large là. Ok, ok, ça, ça tient, ça, ça tient. Si ça tient partout et que ça veut pas péter, tant mieux. Hein. Et là, voilà, mon seul regret, c'est qu'en termes de biomasse, bah, je peux pas brancher de quoi alimenter le four, en fait. Sans avoir à me prendre la tête à venir le charger à la main. Alors, je sais qu'à chaque fois dans le jeu, c'est considéré quasiment comme une... comme une, on va dire, une technologie alternative palier, quoi, avant d'atteindre très vite le charbon. Mais moi, je trouve ça dommage, quand t'es dans un biome comme ça, où tu peux te gaver, parce que tu ramasses des feuilles, à plus savoir quoi en faire. Mm-hmm. Et tu peux pas t'en servir, enfin, tu peux pas t'en servir. Si, tu peux t'en servir, mais tu produis trop peu d'énergie, mais vu que les générateurs prennent pas... Oh, ouais, c'est ça. Attends, je vais développer, je suis pas très organisé. Pour du charbon, pour fonctionner au charbon, il te faut beaucoup d'installations, avec beaucoup de produits différents. Il te faut quand même beaucoup de cuivre, des tuyaux, des machins pour refroidir. Il te faut une mine, ça t'en sort des quantités astronomiques, ça t'oblige à brancher beaucoup de générateurs d'un coup globalement, sinon ta mine elle fonctionne par intermittence. Donc c'est cool, ça donne beaucoup d'énergie tout de suite maintenant d'un coup, ça fait vraiment un vrai step-up, une vraie augmentation, une vraie amélioration de ta capacité. Mais ce que je veux dire, c'est que ça nécessite quand même beaucoup de place, parce que tu construis des générateurs. Tu construis donc forcément de quoi miner. Ça t'occupe un gisement, ça veut dire des tapis, parce que t'as rarement ton gisement de charbon juste à côté de l'eau. Voilà. Alors moi je l'ai. Voilà. Mais alors, plus ou moins à côté de l'eau, mais je veux dire, ça t'oblige souvent à avoir des tapis, des organisations, machin. T'es obligé de pomper de l'eau. Mmh. Voilà. Donc pareil, une structure supplémentaire. Mmh. Et donc techniquement, si tu veux être carré, il faut aussi rajouter, je rappelle, les stockages entre les deux. Et donc le stockage d'eau. Parce que tes stockages, tu vas en avoir besoin pour aussi utiliser ton charbon pour faire de l'acier. C'est ça qu'il faut pas oublier. T'as besoin de ton charbon pour faire d'autres choses. Alors que le brûleur, bah tu peux y mettre de la carapace transformée, du champignon, des feuilles, des fleurs, des biocarburants solides. Tu peux y mettre du charbon dedans. Donc en fait, le petit brûleur, ce qui est con, c'est que tu puisses pas, au moins, ne serait-ce qu'avoir une version peut-être un peu plus grosse, où tu peux l'alimenter avec tout et n'importe quoi, tu vois, dedans. Mm-hmm. Littéralement, comme le broyeur à ordures, où tu jettes tes trucs dedans et ça te fait des tickets, bah là, ça serait un peu pareil. C'est... J'ai tout mon rab de brûleur que je peux envoyer, de brûlable que je peux envoyer dedans, branché depuis un réservoir, enfin un stockage, quoi. Et je trouve que c'est dommage, cette technologie n'est pas valorisée. Et c'est souvent ce qui fait que tu veux passer à la suite. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait comme ça. D'ailleurs. Oui, mais c'est con, parce que du coup, je suis obligé de me balader avec littéralement une ligne de biocarburant solide sur moi, alors que bah, je pourrais mettre ça dans un stockage et on aurait pu surindustrialiser comme des sources depuis le début sans avoir à réfléchir. Voilà. Résultat, je suis obligé d'utiliser des neurones. Est-ce que tu as trouvé cette dalle de béton ou jamais? Non, toujours pas. Putain, je vais aller voir, hein, parce que là, tu me guacamole. Hein. Quoi? Shinai! Il y a encore un cochon!
Oui, bah débrouille-toi avec. Mais non, mais arrête de nous ramener tous tes porcs là, c'est chiant. C'est pas là que tu construis. Ah non, putain, c'est là. Ah, monsieur porc, oui. Oui, monsieur porc, oui, je m'occupe de vous, bougez pas. C'est pour les stings. Parfait. Ah, je me suis gouré, c'était plein est en fait. Je te déteste. Je me fais engueuler. Je crois que c'est par là, hein. Il a paumé la base. Ouais, c'est celui qui est à l'est depuis la base. Oh putain. Ah, j'ai cru que c'est... Ouais, non, celui qui est aveugle. Eh, j'ai le droit de me tromper parce que celui qui était au sud, c'était celui où il y avait la carcasse de vaisseau dans lequel j'ai récupéré le disque dur, qui est donc le dernier endroit où je suis allé. Voilà. Mm-hmm. C'est pour ça. Mm-hmm. C'est pour ça. Ouais. Et donc, D-O-N-C-K-E-N-T, tu verras, c'est à côté du fameux grand pont pourri moisi du Fiac qui mène aussi sur le désert. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, j'explique quel est mon problème avec cette base. C'est que cette base est très bien. Hein, on va pouvoir construire en grande largeur avec des ascenseurs qui descendent, tout ce qu'on veut. D'ailleurs, on n'a pas d'ascenseur dans ce jeu, quelle misère. Et ou de mon charge d'ailleurs. Et le truc c'est que je fais du zoop en même temps. Le problème que j'ai avec tout ça, c'est que techniquement la base elle est pas assez haute. Et ben, t'as qu'à la surélever. Voilà. Après, est-ce qu'on a envie de la surélever? Parce qu'en fait elle, là, elle, si tu veux, elle est assez haute. C'est pour ça que je te laisse la voir. Ça te va comme emplacement, machin. Est-ce qu'on l'a... Alors en fait, si je la laisse comme ça, le problème c'est que le jour où le jeu va nous faire une mise à jour, il va faire repop des buissons et on aura des buissons qui traversera la carlingue. Attends, c'est chiant. Donc c'est chiant. Je te vois même plus. Bah là tu viens sur moi. Hein. Tu peux te... Attends, mais je t'ai supprimé là, comme... Non, je suis sur le radar, mec. Attention, après t'as peut-être... ça rame un peu parce que c'est en train de sauvegarder. J'ai moi ton tube. Plein est. Mais tu dois me voir là sur ton radar. Ah c'est bon, je te vois. Non, je te vois pas en fait sur mon radar, c'est ça le problème. Mais c'est sérieux là? Moi je te vois. Ah, ouais, mais moi je te vois pas. Donc je crois que j'ai fait une connerie avec ma map, mais... Il y a embrouille, hein. Je pense que tu cherches. Je cherche les problèmes là. Ouais. Et donc voilà. Donc on peut garder ce niveau là. May, MES, conjonction de coordination qui marque une opposition. On aura des soucis techniques concernant la repousse. Fais gaffe parce qu'après c'est le vide. Hein. Sinon on peut tirer. On peut tirer donc une deuxième couche pour être bien en hauteur et par exemple bien être s'assurer qu'on passe sur ce caillou là. Voilà. Ou on peut passer carrément à 3, 4, 5, 6 couches si tu veux être vraiment au-dessus par exemple du caillou qui est au nord là. Mm-hmm. Ou si tu veux être sûr qu'on soit au-dessus des forêts ou des choses comme ça. Je te dirais 4 ou 5 couches au-dessus. Ok. Donc on cherche à être au-dessus de ce caillou. On cherche à être au-dessus de ce caillou pour une raison. Comme ça on peut avoir énormément de choses intéressantes à faire. Ça veut dire... dominer complètement les hauteurs là. Mmh. Et si on a besoin de s'étendre et on peut faire étage par étage en descendant. Oh, je suis d'accord. C'est ce que je veux dire. Ça me va très bien. Le seul truc qui va être problématique, c'est ça. Ça quoi? Le poison? Ah, je suis parti. Hein. Je suis parti. Attends. Vers la base. Parce que va falloir faire du béton en masse aussi. Béton et ferraille en masse. Ouais. Et donc ça quoi? Est-ce que tu peux développer puisque je suis pas là. Je disais le gisement de calcaire. Ah, le gisement de calcaire. Non, le gisement de calcaire pose aucun problème. Hein. Non, il pose aucun problème. En fait, c'est pour ça que je l'ai pas recouvert. C'est parce qu'en fait, je vais aménager un gisement dessus. Et en fait, si on est 5 étages au-dessus, je mettrai juste un ascenseur vertical qui traverse le sol. Parce qu'en fait, après, on va voir ça, on va voir les trappes de sol avec les tapis verticaux qui traversent, et en fait, ça me montrera ça dans l'usine. Terminé. Alors, je sais pas si t'as fait... Attends, il y a un bug avec ma map.
J'ai un gros bug avec ma map. C'est toi le bug. Ouais, il y a un gros bug avec ma map. Parce que ça m'indique le gisement de... Ah, j'ai encore des buffs sur moi. J'ai un gros bug avec ma map. Est-ce que je peux pousser ça à fond? Ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Ça a pas crash. Ça tient. J'ai envie de te dire, fais des cours au cours hein, s'il faut. Il va falloir. De toute façon, on peut faire un zoobie à YouTube et si tu veux, on peut même redémarrer là. Non, je déco carrément le jeu et je reviens. Hein. Tu reviens. Ah, je reviens. Par contre, j'ai pas de stockage où ça sort. Intéressant ça. Ouais, on va faire un petit peu de recherche parce que je crois qu'il y avait une histoire avec la recherche. Il y a des choses que je pouvais faire. J'ai ramené des minerais de catérium. Et d'ailleurs, j'ai de quoi fabriquer de l'acier. J'ai la tech, mais je crois pas que je peux sortir 500 acier. Pas assez de charbon, je crois, pour sortir 500 acier. Là. On n'a pas de charbon encore. Ouais, attends, on en a un petit peu à la maison, on en a 120, mais je crois que c'est pas suffisant pour sortir les 500 plaques d'acier dont j'ai besoin. Donc je préfère pas me lancer là-dedans et me retrouver avec un truc sur les côtes en disant « Ah, je peux pas le finir. » Thomas. Ah, c'est ça que je veux finir. Et donc il me faut 50 PQ. D'accord. Et là il m'en faut 10. Il me faut 60 PQ. On va faire 60 PQ. Hop là. Est-ce que tu veux bien me faire des PQ? 60. Voilà, c'est bon. Merci. Oh là. La map elle est buggée. Hein. Non, mais toi, vu que t'es pas l'hôte en fait, parce que moi j'ai pas de bug, je pense que vu que tu es en distance et quand ça fait une sauvegarde, vu que à chaque sauvegarde ça a tendance à faire des couilles, hein. Je pense que c'est ça que tu subis. Ouais. Alors, moi il va me falloir plusieurs choses. Des rotors, t'en as encore ou pas? Des rotors, j'en ai encore, mais j'en ai besoin. À moins que t'aies un besoin vital de rotor. Non, je suis déjà en train de commencer à faire des usines de... Après t'en as dans la machine qui sort des rotors là. Il va en avoir quelques-unes. Tu veux faire des machines de... Des assembleuses? Non, je fais pas des assembleuses moi là, je fais... Ah ouais, ça bug le grave. Oh la vache. Non, je suis en train de te faire des usines à charbon. Ah ok. Bon, ça va sortir au fur et à mesure. Après, tu dois avoir dans les stockages de quoi en fabriquer un peu plus rapidement avec des plaques, des machins. On doit déjà avoir tout ce qu'il faut. Le problème, c'est que je ne reconnais rien du tout. Ah, tu veux une petite présentation, un petit guide? Non, ça ira, t'inquiète. Petit guide. Qu'est-ce que super. Je vais me démerder, je vais trouver. T'embête pas. Bon, ça m'embêtait pas. Ça me faisait plaisir de te présenter mon travail. Ah, bah alors, présente-moi ton travail. Oui, c'est parti. On se retrouve à la mine de fer. J'étais juste derrière toi en fait. Oui, la mine de fer. Donc la mine de fer, voici donc la tête du Kraken. En voiture Simone. Et la tête du Kraken mène à son premier stockage, qui est en fait le dernier. Comme c'est bien conçu, c'est déjà le bordel. Excellent. Ensuite, j'emmène tout cela à la fonderie, très importante, évidemment. Le cœur de notre projet, j'ai envie de te dire. Ça mène donc à un premier stockage. Qui va nous stocker normalement le surplus de lingots que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de surplus de lingots. Ah ouais. Attends, un petit contrôle technique là. Ah ouais, on va être dans la merde en termes de lingots potentiellement. Donc bon bref, on n'a pas de surplus. Ces lingots donc sont séparés en trois éléments. À cette tête là, évidemment, nous avons donc on a une petite krakenisation hein, parce que celui de gauche alimente celui qui est tout à droite. Le premier nous sort des plaques. Le deuxième nous sort des vis et le dernier nous sort des tiges. Le tout est regroupir ici et qui a fini donc dans Zola, dans ce stockage-là. Et tu peux poursuivre donc ce stockage et nous retrouvons sur un tapis où ce qui est bourré de vis. Et là, crois-moi bien qu'on aimerait bien avoir MK3 parce que nos usines ne peuvent pas produire plus vite parce que on transporte trop de vis. C'est vrai qu'il aurait presque fallu que je fasse un tapis juste pour les vis. Et encore, je suis même pas sûr que ça aurait suffi. Voilà. J'espère que vous appréciez la balade. Voilà. Pas, non.
Mmh. Ok, donc au bout, nous avons évidemment le fameux répartiteur intelligent, avec son petit poteau électrique dessus. Du plus bel effet. J'ai l'impression. Ce qui m'étonne, c'est que tu utilises des poteaux comme ça et pas les MK2. Oui, mais il est turgescent celui-là. Oui. Un répartiteur intelligent. Turgescent. Le fameux. Donc tout droit, nous sortons des tiges. En à gauche, nous sortons des plaques. À droite, évidemment, nous sortons des vis. Là, le Kraken se sépare en deux. Morceau intéressant, pourquoi dire en trois. Nous avons les plaques de fer qui donc vont exclusivement dans cette bécane. Donc, plaques de fer en bas, ici. Voilà, si tu as besoin. Juste au-dessus, donc, tige. On va faire tout de suite, tant qu'on est au sol, les tiges, puisque... non, on va faire ça, ouais. On va d'abord faire les tiges, parce que c'est plus simple pour comprendre le Kraken. Les tiges partent en direct sur la machine à rotor. Terminé. On va pas plus loin que ça. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin de scinder mon truc de tige. Ensuite, nous avons donc le stockage. En revenant en arrière, on a donc le stockage de vis. Qui, lui, est le seul à subir une krakenisation de la loi du marché. Qui fait que, donc, il est séparé en deux éléments. Puisque il doit également... Hop là, ça va aller plus vite comme ça, je pense. Ouais. Je pense qu'on va moins galère là. Je pense qu'on va envoyer plus de vis plus vite là. Voilà, enfin, c'est mieux ça. C'est mieux. Ça va fonctionner. Et donc lui il est séparé en deux puisqu'il doit alimenter et les rotors, la fabrication de rotors et la fabrication de plaques. De plaques renforcées. Plaques de fer renforcées. Voilà. Et évidemment, le rotor pour l'instant ne possède pas de sortie qui lui est propre. Parce que j'avais plus ou moins la ferme intention de krakeniser et centraliser ses ressources. Voilà. D'accord. Voilà. C'est une présentation intégrale de la base. J'espère que ça a du sens quand même. Oui, très. Tu vois, je suis en train de me dire, il va falloir que je démonte tout ça pour faire des usines très propres, tout en haut, machin, etc. Mais quelque part, je me dis, est-ce que j'ai pas envie de garder ce petit cœur historique? Un peu cette forme de village irréductible de Kraken. tu vois, quelque chose comme... Un peu une lettre émotionnelle, une lettre d'amour à ce que nous avons aimé, ce que nous avons été, et ce que nous, finalement, ne serons plus. Voilà. Qu'est-ce que la vie? Un truc que j'ai pas encore tué. Je crois un que c'est un bon résumé. Est toujours vivant. Et on se demande pourquoi. Je suis encore en train de ne pas faire le seul et unique projet qui m'intéresse dans la vie. Quoi? Les putains de décathlon. Mais pourtant, c'est clairement le seul truc qui m'intéresse dans la life. Hein. On est bien d'accord. Mm-hmm. Je vais déposer cette carapace, ça va lui libérer de l'espace. Je vais poser. Ah, t'as tout transformé en lingot? Non. Ah, t'as tout transformé en lingot. Ah, le Caterium, oui. Oui, Caterium, tu l'as transformé en lingal. Donc je vais transformer les autres que j'ai sur moi aussi en lingal. Ça allait pas? Non, c'est pas problématique, c'est bien, hein, c'est pas le problème. Non, la seule chose, c'est que du coup, je transforme dans le même élément pour pouvoir empiler ensemble. Mm. Je fais une transpose supplémentaire, bah, disons mais que YouTube adore. Disons que j'ai fait ça pour éviter d'avoir 5 stacks sur moi, et là, ça m'en faisait que 2. Plus économe. Ah oui, parce qu'il t'en faut 3 pour faire un lingot. C'est ça. Ok. Par contre, on les empile à 200 aussi, non? Ouais. Sur nous. Ou c'est des piles 200, non? C'est des piles de 200? C'est des piles 200. Ok. Oui, effectivement, c'est une riche idée, parce que ça nous permet, évidemment, d'économiser énormément de place, comme le béton. Il me faut du cuivre. Y'a rien qui fait de cuivre ici. J'ai sur moi du cuivre, mais brut. Je pose ça par terre si tu veux. Ouais, je veux bien. Il va me falloir des tôles de cuivre. J'en ai 200 là, je les ai posées à côté de moi. Car en même temps que tu fabriques des choses sur un atelier, tu peux aussi jeter des items par terre. Parfait.
en disant ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, dégagez. Oh, peut-être pas, mais parce que tout est formidable quand même, mais tout est quartz, super génial. Quartz, donc il faut de la smoule, hein, il faut de la smoule là, hein, il faut de la smoule à gars. Faudrait 250 smoule. Allez, va falloir du quartz encore. Hein. Faut encore une quantité extrêmement invasive de quartz. Mais avant de faire ça, puisque c'est vrai, j'adore me dissiper et faire 50 trucs en même temps et du coup ne rien terminer, on va peut-être essayer de terminer un truc. Genre. Ça s'appelle le papillonnage, monsieur. Exactement, qui se rapporte au plumage, évidemment. C'était genre par là, je crois. Ah ouais. Ah, ça va être l'heure de mettre fin à l'épisode de ton tube en plus. Ah. Mais. On aura des parachutes maintenant. On a des parachutes! Oui, je ne mourrai plus bêtement! Alors, ça, c'est pas dit, mais on a des parachutes en tout cas. Ah, si, j'aurais juste oublié de prendre le parachute. Ah! C'est embêtant. Trop du cul. Ça finit par créer des problèmes techniques. Ok, je suis en train de pousser la fabrication des rotors, protors, mégastators. Enfin, je la pousse, hein. Je la pousse comme un gros sourd. Je fais charge, je veux pas le savoir. En train de pousser comme un sourd. Il me faut cette rotor là, dépêche-toi quoi. C'est avant de mettre fin à cet épisode quand même. Je vais régaler ton tube avec avec une autre recherche. Je vais te régaler toi d'ailleurs pour être précis. Et je vais me régaler aussi. Mais bon déjà t'as le parachute hein, je te dire. Oui. T'as déjà tout quoi. Quelque part. Quelque part, tant de morts économisés et tant de matos économisés à ramasser. Ah, il me faut vraiment l'alternative là des rotors. Enfin, encore là, ça va. Hein. Là, en vrai, on est sur un plutôt un bon mood. L'alternative des rotors, c'est quoi? J'aime bien, moi, celui qui se fait avec de la tôle de cuivre. Parce qu'en fait, comme tu as pu le voir, à ce niveau technologique-là, on se sert très très peu du cuivre. Genre, on s'en sert pas. Genre, littéralement, là, t'as vu, la mine... on n'a pas besoin de mettre une foreuse de cuivre, en vrai. Là, les petits machins, de temps en temps, on va les ramasser. À la limite, il nous faudrait aller à un constructeur. Si je voulais arrêter d'être fainéant, il me faudrait un constructeur pour me sortir... Enfin, une fonderie et un constructeur, voilà, pour me sortir du câblage. Voilà. Même la tôle, on peut la faire à la main, parce que tellement ça nous en consomme peu. Et tellement on en consomme peu. D'ailleurs, si jamais t'as besoin de tôle de cuivre, j'en ai 45 sur moi. Ah, ça, je veux bien. Voilà. Moi, t'es dans le coin, là? Ouais, je suis à côté. Hop, hop, hop. Ok, je te pose ça juste à côté de toi. Ouf. Merci. 45 tôles de cuivre, boum monsieur, juste à côté. Voilà. Et donc le cuivre globalement ne sert à rien et je trouve ça très intéressant de pouvoir le jeter à la fabrication de rotors. Voilà. Mm. Ah, par contre ça consomme beaucoup plus de vis, mais c'est rentable. Enfin moi je trouve ça rentable. Pareil d'utiliser une ressource que t'as en abondance, tu branches un truc. Voilà. Ouais. Alors ça c'est le petit cadeau. Ah, ça prend 3 secondes. 3 grosses secondes. Voilà. Oui! Plus de place d'inventaire. Finally! Je pourrais même pousser un peu le vis. Allez, on pousse un peu le vis. Pourquoi ils nous ont pas donné des sacs à dos ou des poches dimensionnelles? En vrai, à la fin, tu finis avec tellement de place dans ton inventaire. Parce que là, moi en fait, en vrai, hein, ce qui me bouche mon inventaire, c'est que j'ai littéralement une ligne et demie de carburant solide, de fleurs, de. Enfin, de carburant quoi. Moi j'ai enfin, énormément de merde dans mon inventaire à l'heure actuelle. Énormément. Mais ça dépend, qu'est-ce que tu trimbales? Des baies, mon pistolet, du béton, du calcaire, du soufre, des baies. Mais normalement, ton pistolet il est équipé en main? Non, il y est pas. J'ai changé. Mais soufre, pourquoi tu l'as sur toi? Il y en a dans le stockage. Oui, mais c'est parce que j'ai pas encore vidé mes poches. Ah ouais, mais il fallait commencer par ça. Et tout ce qui est bois, machin, tu me le poses là, à côté de la boîte, là. Tu jettes ça de ton inventaire. Je vais ramasser, fleurs et tout. Moi, je fais une pile et comme ça, je gère l'énergie, ce que je mets à brûler, voilà. Je gère ça tranquillement, quoi. Putain, c'est dommage, il nous manquait pas. Enfin, si, il nous manquait quand même pas mal, mais. Il nous aurait manqué 80 béton pour pouvoir de quartz pour pouvoir tout faire. Hein. C'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Nous allons faire trop cher. Non, non, pas trop cher. Bien. Ouais, mais ça se mettait dedans, ça. Il y a une pile de ça.
Non? Je sais pas. Oui, il y a une pile de ça. Il y a une pile de ce truc là. Oui, je viens de libérer un espace d'inventaire, trop bien. Ça, c'est vraiment du génie. Hop là. Hop là. Voilà. Ça aussi, hein, ça va te plaire aussi. Hein. Ça devrait. Devrait te faire des choses. Voilà. Maintenant, je vais voir. Tac, tac, ici. En fait, on envoie trop de vis. Bah oui, et en même temps, pas assez. Parce que le problème, c'est que si le rotor veut tourner à fond tout le temps, enfin la machine à rotor sans s'arrêter, on n'en voit pas assez. C'est vicieux, hein, c'est vicieux. C'est vicieux, exactement. Tac, tac, d'ailleurs, en parlant de rotor, là, il m'en faut 6 vite teuf, là. Il y en a 6 là-dedans. Oh, il y en a 12. Allez, je prends tout. Shinai, viens me voir, j'ai un truc pour toi. Je suis parti. Non, non, bah tu vas revenir, crois-moi bien, il sera bien content d'être revenu. C'est pas pour les décathlons, je pète un câble. Wow. Wow. Je ramène un copain en plus. Tiens, au fait, je tiens à préciser que t'as un emplacement d'inventaire supplémentaire, donc si tu veux te faire une tronçonneuse... Tiens, je te filme ma tronçonneuse, même d'ailleurs. J'en ai pas besoin. Bah, comme ça, ça te fait 3 trucs équipés, normalement. Ah ouais. Oui, mais non, toi, t'as les petites fourreuses à équiper en main. Vas-y. Voilà. Merci. Et là, kiff. Hein. À la vitesse de ton gaming, c'est plus la même. Hein. Ce qui est marrant, c'est que vu que là, je me suis habitué à jouer sans, je sens tellement la différence de... Oh, je vais super vite. Alors que après ça sera l'inverse, et c'est quand tu les as pas, tu fais putain, je suis tellement lent. Moi qui n'ai jamais joué avec, je te jure, j'ai l'impression d'avoir un axe. Déjà vu. Déjà vu. Est-ce que t'as déjà vu le manga d'où c'est tiré, toi? Non, non, jamais. Mais en même temps, tu sais, moi et les mangas, 125. Hein. Réponse, beaucoup plus. T'as tort, il est très drôle. Drôle n'est pas forcément suffisant. C'est insuffisant. Voilà. Bon, on est pas trop mal. Moi, je garde la 6 ouais. aussi avec moi. Ouais, on voit ça comme ça. Allez, le bout de bois. Poubelle. J'ai jeté un bout de bois. Oh, je suis un dingue. J'aurais pu le brûler, ce bout de bois. Très bien. Bah, moi, je vais me lancer sur la fabrication de biocarburant solide. Histoire de compléter mon inventaire, libérer de l'espace encore. Mais bon. Est-ce que ça t'empêche de prendre trop de dégâts de chute ou pas? Oui, bah ça, oui. Ça, en fait, tu peux sauter de plus haut sans prendre de dégâts de chute. Je sais pas si ça réduit les dégâts en fonction de la hauteur, mais je sais que t'as une plus grande marge de hauteur avant de prendre des dégâts de chute. Mais à partir du moment que t'en prends, je sais pas si ça les réduit. Ok. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. On saute plus haut, on saute plus loin, on galère moins, hein, tu vas voir. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort! Pardon. J'avais ça dans la tête. Ni pas ni problème. Par contre, si tu peux en trouver un peu de quartz là, ça serait quand même pas mal. Ah, du quartz? Je suis sur totalement autre chose là, à l'heure actuelle. Ouais, ouais. Parce que là, le quartz, en fait, là, si tu m'en ramènes encore un petit peu, genre de quoi faire une centaine de sinis, je nous débloque 6 emplacements d'inventaire supplémentaires. C'est pas mal. Ça libère, ça fait les poches, ça fait du bien. Yolo. J'ai trop de biocarburant solide, c'est l'enfer. C'est l'enfer, sa grand-mère. Tiens, mets ça à la place. Merde. Mets ça à la place. Aïe, le chat, tu fais mal. Sale bête. Mais j'ai une grosse capacité de... ouais, vu que toutes les usines tombent pas en même temps.
mets de la fleurette. Ça, je me débarrasse de la fleurette aussi. Ça serait du génie. Du coup, je vais essayer de m'en débarrasser. Ça brûle bien. Ça brûle très bien. Bon. Ça va. C'est mon truc là. Est-ce que je fais pas un petit stockage pour ça là? Est-ce que ce serait pas le moment là, de se dire ouais mais en fait on va peut-être pas boucher un truc dont on a super besoin. Quoi? Ah j'ai pas de plaque. Vraiment. Un mec j'ai pas de tige, j'ai pas de plaque. J'ai de la plaque. Truc par ici. Je ne vois rien du tout. C'est pas ce que je fais. Mais je le fais. Voilà. C'est bon. Je vais mettre ça comme encore. Ça sort de la bonne grosse placasse. Donc le tapis là il est en 1 ou il est en 2? Ouais, il est en 2 hein. Ah, il est en 2, il faudrait du 3. Est-ce que j'essaierai pas de me fabriquer un peu de 3 avec le bon char qu'on a? Gagner en production. On pourrait, hein, on pourrait se tenter des trucs comme ça. Hein. Genre, hop. Ah mais on n'a pas l'acier? Encore? Je peux pas fabriquer d'acier? Ah il faut que t'ailles... t'as voulu faire le transport motorisé monsieur, c'est normal hein. Allez faire l'acier! Oh pétard, c'est l'acier qu'il faut faire d'abord! Bah oui! Alors oui. Faut se lancer sur de l'acier. Je ne peux pas fabriquer d'acier à la main. Et mince. D'ailleurs je vois que t'as pas mis les cadres modulaires dans le jalon. Oui parce que je viens de changer de jalon, à l'instant. Ok. On vient de passer sur la production basique d'acier. Basique. Simple, basique. Il ouais, faut que je surveille ça, on est bientôt sur la fin. Tac. 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 Je vais mettre ça dans le coffre. Boum. Donc ça tombe en rade. Et voilà. Génie. Oh, j'ai libéré de la place dans l'espace. Ok, très bien. Bon bah, des bisous ton tube, hein. On se retrouve quand j'aurai fabriqué quelques trucs, quoi. Ciao.